Interdit la veille par le ministre de l'Intérieur, le rassemblement du Front de l'Opposition pour l'Alternance a finalement tourné à l'affrontement entre les militants de ce parti politique de l'opposition et les forces de l'ordre. Les altercations qui ont démarré à la place de la tolérance du quartier Rio se sont étendues dans les quartiers adjacents. Bilan officiel, un mort, plusieurs blessés dans les deux camps et une vingtaine d'interpellations. Des actes de vandalisme caractérisés par des casses de Secado et Gaboprix à Kébéville. Et la boucle, c'est ce jeune homme, ce jeune compatriote qui est décédé. La victime, Boulou Beka, un étudiant de l'École nationale d'art et manufacture, serait décédé pendant la manifestation dans des circonstances non encore élucidées. Selon le médecin légiste, le jeune homme est décédé à la suite d'une blessure à la carotide. C'est ce qui explique qu'au début, quand on a sorti le corps de la voiture, le visage n'était pas reconnaissable parce qu'il y avait un gros caillot sur le visage. Donc à un moment, on aurait pu penser que le visage avait été écrasé, mais non. Quand on a essuyé le caillot, on a pu voir le visage de l'individu. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. Il s'est vidé littéralement de son sang par cette plaie. Maintenant, pour pouvoir comprendre les mécanismes de la lésion, on fera une dissection. Je pense le plus tôt possible, dès le début de la semaine. Des dégâts matériels importants sont à noter lors de la manifestation du Front de l'Opposition pour l'Alternance. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Batili, a pour sa part condamné ces actes survenus à Libreville et appelle au calme et au rejet de la violence.